Bon, ben je précise que je le veux dans un dossier, par exemple, flat design slash calque-3.gif. Et du coup, ben ça l'a mis dans le dossier. Voilà, flat design. Donc c'est ça qui est génial, c'est que vous modifiez le nom des calques et ça va vous mettre les choses dans les bons dossiers. J'essaye avec celui-ci. Flat design, on a dit. Ok. Calque-2.gif. Et donc voilà, il est arrivé là. Alors, ça correspond à quoi ça? Ok, ben c'est le body. Donc à la place de calque 2, je pourrais indiquer body. Et l'autre, ben c'est le sidebar. Donc je vais indiquer sidebar. Voilà, donc ça a été renommé. Enfin, vous avez compris le principe du générateur. Alors, je vous ai mis un petit guide qui est le guide de Adobe. Donc, c'est un weblog. Donc, pour le lire sur PC, vous renommez ça en TXT et vous allez voir l'adresse. Sinon, c'est pas difficile à trouver sur le web. Il vous explique un peu tout ça. Il y a une vidéo explicative, il y a un petit fichier à télécharger pour faire des tests. Et ils expliquent donc tous les cas de figure. Renommage. Et dans le cas d'un design web, il vous explique ce qu'on a testé en indiquant les noms de dossiers, en fait. Ok, bon, il y a d'autres manières de... Enfin, il y a plein d'exemples. Ce serait une bonne chose d'imprimer ça, d'ailleurs, et de vous le refiler, parce que c'est un bon exemple. Ça résume bien la situation.